Hey, salut les gens, c'est Poulpi. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 Online. Suite au DLC évidemment qui est sorti hier, qui s'appelle Haute Finance et Basse Besogne. Pff, franchement, le nom il schlingue. Enfin bon, bref. Donc hier, on vous avait proposé une vidéo avec Bourri concernant la Pegasi Reaper, un des nouveaux véhicules disponibles dans cette nouvelle mise à jour. Et ben aujourd'hui on va la tester. Voilà, enfin je vais la tester parce que Bourri n'est pas là. Je vais la tester sur une course et on va bien voir ce que ça donne. On va voir comment je me débrouille avec la Pegasi Reaper quand il y a un peu de looping et des choses comme ça, de saut, de jump. On va voir un peu ce que ça donne. Regardez comment elle est belle. Comment elle est belle ma Pegasi Reaper. Je l'adore. J'adore le look de cette caisse, je l'adore. Je l'adore tellement que je fais un bras d'honneur ou une quenelle, à vous de voir et à vous de deviner. Bref, donc la course s'appelle Loops Torsad and Jump. Elle a été créée par... Alors, excusez-moi, c'est quoi ce spoon? Non mais t'es sérieux là? C'est quoi ce spoon? Alors j'en ai vu des spoons chelous, mais alors celui-ci il est quand même... il est bizarre. Je spoon sur une voiture, carrément, et je me fais baiser, évidemment. Et voilà, et là, vous allez voir, il faut jamais partir en dernier ici, parce que, regardez, j'en suis sûr, et ben voilà, pas manqué, putain. Ils se sont plantés, ils m'ont fait planter. Bon, bah, c'est pas très grave, on va respawner, on va repartir. Donc, très rapidement, je fais un petit coup de pub pour un collègue, il s'appelle Le Dad, c'est celui qui a créé cette course. Je vous conseille fortement d'aller sur sa chaîne YouTube, parce qu'il propose toutes ses courses en vidéo et ses créations. Il n'y a pas que des courses, il y a des captures, etc. Je vous conseille fortement d'y aller si vous êtes sur Xbox One, bien sûr, parce que ce qu'il fait, c'est vachement sympa. Les courses sont vachement sympas, c'est des bonnes courses, ça aide un YouTuber créatif. Moi, j'aime ça, j'aime beaucoup les gens qui créent. Donc, bravo à lui, big up. Et voilà, on termine la publicité pour le DAD. Vous verrez tout ça en description de cette vidéo. Maintenant, on va revenir un petit peu donc sur la Pegasi Reaper, donc que j'ai customisée et achetée hier. Elle fait partie donc du DLC qui est sorti hier. Elle fait partie c'est un des véhicules qu'on peut trouver. On a acheté également avec Bourri les autres véhicules, mais pour l'instant, on fait pas de vidéo dessus. On veut vraiment se concentrer sur cette voiture, voir vraiment un petit peu ce qu'elle a dans le froc. Et pour tout vous dire, je suis déçu. Voilà, je suis simplement déçu. Et d'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche sur internet, je suis pas le seul. Ça ne vaut pas la. Enfin, attention. Oh là là, attends, c'est mis du même côté tous les deux. Ouais, c'est con ça. Bon, bref. Elle fait pas. Je sais pas. Elle a un look magnifique. Hein. C'est pour ça que de toute façon, je vais la garder dans mon garage à tout jamais. Ça, c'est clair. J'adore son look. Mais je trouve qu'en conduite. Alors, il faut savoir que moi, je suis vraiment. Un mauvais hein, en conduite, je suis mauvais. Je suis, comme disent les gens d'aujourd'hui, un gros noob. Mais Papy Poulpi, il s'en fout. L'essentiel, c'est que je prenne du plaisir. Voilà. Mais quand même, j'ai beau pas être un expert de la conduite, je la trouve franchement pas. Ouais, je l'ai pas. Ça, je le passe pas toujours du premier coup. Celui-là, je suis content. C'est cool. Voilà, je la trouve pas. J'ai du mal à la stabiliser, la voiture. J'ai du mal à prendre du plaisir, même carrément avec. Si je dois comparer par exemple à la T20 ou même à la Zentarno que moi j'aime beaucoup conduire, je prends quand même beaucoup moins de plaisir. Je trouve que, je sais pas, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal à la conduire, j'ai du mal, franchement le mot c'est, j'ai du mal à la stabiliser. Voilà, alors après est-ce que ça vient de mon level ou alors est-ce que ça vient du véhicule en lui-même? Moi de ce que je comprends, encore une fois, de mes amis qui ont joué, qui l'ont, tout ça, de ce combat, de tous les retours que j'ai eu depuis les dernières 24 heures, a priori, c'est quand même une voiture, on peut dire, décevante. Voilà, décevante par rapport à ce qu'on pouvait attendre. Je pense pas que c'est une voiture que... Mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? C'est moi où il y avait quelqu'un là? Attends, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui? Attends. Bah, j'ai un tour. Ah, j'ai toujours premier. Alors, donc j'ai un tour d'avance sur lui, en fait. Excusez-moi, là, je viens de comprendre que le mec, il est resté keblo. Pardon, il est resté bloqué. Il est resté bloqué depuis le début en fait, je sais pas, il a dû aller faire ses besoins ou rouler une clope, je sais pas. Bon, peu importe, en tout cas, moi pour l'instant, je suis premier sur. Ah bah, on est passé à 3, c'est dommage, on était 6 au départ, il n'y en a plus que 3. J'espère que c'est pas parce qu'ils n'ont pas pu passer un looping qu'ils ont arrache-quitte, parce que ça serait quand même fort dommage de s'arrêter à un ou deux échecs, hein. Il faut un petit peu aller, il faut persévérer, messieurs. Bon, bref. Et je sais même plus, je parle tellement que je sais même plus ce que je dis. Peu importe, en tout cas, moi, cette Pegasi Reaper,
Je la kiffe pas à la conduire, très franchement. À la rigueur, pour partir avec dans des missions, dans des bracos, pas évidemment juste pour faire des petits trajets, on doit pas, voilà, hein, sinon c'est là, on est tous d'accord, hein, c'est la blindée qu'il faut, la couronne blindée. Mais voilà, pour faire des petits trajets avec les potes, des choses comme ça en session publique, ouais, pourquoi pas. Là, ça peut être sympa. Mais alors, en course, non. Moi, même là, vous voyez, bon, je m'en sors plus ou moins, on va dire, par rapport à mon niveau. Mais je sais pas, je prends pas non plus un plaisir énorme à la conduire. Je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne avec cette voiture. Et c'est un petit peu à l'image du DLC. On y reviendra avec Bourri, on aura sans doute un débat par rapport à cette nouvelle mise à jour haute finance et basse besogne. Oh putain, quand je me suis croûté là, magnifique. Bref, c'est pas grave. Parce que je trouve cette DLC, voilà, très très, pour l'instant en tout cas, après c'est vrai que je ne l'ai pas non plus exploité. J'ai vu des vidéos sur internet où les mecs sont en train de s'extasier parce qu'il y a un coffre-fort, parce que le coffre-fort, il vous sert strictement à rien dans votre bureau les gars. Il vous sert à rien, il vous coûte 300 000 dollars, il vous sert strictement à rien du tout. Donc s'extasier devant ça, bon, pourquoi pas. Moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Voilà, il y a des trucs bien, il y a des trucs marrants, comme il y a un petit jeu, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'acheter votre bureau, il y a des petits jeux où vous vous mettez avec vos potes sur le canapé, voilà, c'est un peu comme le Snake, c'est vachement sympa comme concept, mais voilà, je trouve ça un peu, pour l'instant, je suis pas, on y reviendra, même par rapport aux véhicules, on a acheté tous les véhicules de la mise à jour. Il y aura d'autres vidéos là-dessus. Je suis pas non plus en transe pour l'instant. Après, encore une fois, il faut tester, il faut approfondir encore un peu. On va pas aller non plus trop vite en besogne, c'est le cas de le dire. Mais bon, voilà. Pour l'instant, Poulpi Bourri, assez déçu par la mise à jour. Mais bon, en tout cas, je suis pas déçu par le look de la Reaper. Pour en revenir sur cette voiture. Allez, je termine 3ème sur 3. Poulpi dernier, Poulpi, comme d'habitude. Quelque part, comme d'habitude. C'est pas très grave. Mais voilà, le look est vraiment joli, le look des autres voitures est également, enfin, sont vraiment très jolies. Là-dessus, c'est vraiment une belle réussite. Maintenant, niveau conduite, par rapport à la Reaper, moi, je n'aime pas. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette voiture. Moi aussi, c'est pas sympa, dis donc. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce véhicule, voir si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. En tout cas, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Ciao, bye bye.